gars, on l'a reçu. On a eu un gros couac avec le laser, du coup j'avais pris la version 2, j'ai commandé la version 3, un peu plus cher. Aujourd'hui, je réceptionne des commandes. J'ai reçu 3 énormes colis parce que je suis en train de faire un deuxième setup PC. D'avoir un appel du livreur, je vais être livré des premiers échantillons de Maison Morphin. Voilà. Voilà. Ah, elles sont folles. Les gars, on l'a reçu après la mésaventure du vlog numéro, je sais même plus combien c'était. On a eu un gros couac avec le laser, du coup j'avais pris la version 2, j'ai commandé la version 3, un peu plus cher. Mais normalement cette fois-ci on devrait arriver à graver les montres. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait le graveur avec qui je travaillais sur Valence a vendu son entreprise. La personne qui l'a racheté n'est pas à plein temps sur cette entreprise là, donc c'est assez galère pour avoir des rendez-vous. Donc du coup je me suis dit, go internaliser ça et on va tester tout ça. Let's go, on le monte et on teste. Les lunettes, on commence par le mieux. Et attention, toujours aussi sexy. Le petit laser qui ressemble à ça, à ne pas confondre avec un fer à repasser. Est-ce que c'est une blague de mauvais goût? C'est possible. Bon, il m'a l'air monté. La petite prise. Et ça allume direct. Démarrer l'aperçu, yes. Fait le même bruit pour l'aspirateur. Alors. Ah mais je peux le faire avec une application, c'est incroyable. En fait, tu veux, t'as 2 boutons. Tu peux faire descendre ou monter le laser. Donc là, on a regardé, il faut être à 13 cm là où ça va être gravé. Donc soit tu peux appuyer sur le bouton, soit tu peux le faire ici, 1 mm par 1 mm. Par contre, du coup, ce qui est bizarre, c'est que du coup, j'ai demandé Clément. Normalement, ça fait un petit rectangle dans lequel va être gravé le mot, quoi. Et là, j'ai plus 2 petits points. Pour quelle raison, je ne sais pas. Bon, après quelques recherches, je suis allé voir sur YouTube. En fait, il suffisait simplement d'enlever le petit capuchon en dessous du laser. Et là, bizarrement, le laser s'est mis à fonctionner. Et ouais. Eh, on est un peu con, en fait. C'est normal, ça marche pas. Il y a un capuchon enlevé. Et voilà, Clément BG. En fait, ça passait à travers. C'est abusé. Ça passe à travers le plastique. Donc là, normalement, si on fait une prévision, on aura un petit carré. Incroyable, démarrer l'aperçu. Yes. Mais non. Oh, c'est énorme, par contre, c'est beaucoup trop gros. Oh, c'est faux. Non, ouais, c'est pas mal, hein, niveau taille. Mais non, oh, il faut diminuer un peu. Il faut mettre 10 mm, parce que 12, c'est un peu trop grave. Je le sens bien, ce graveur, je l'ai déjà dit. Là, il y a un cache, c'est ouf. T'as vu, je l'ai mis au bon endroit, parce que la semaine dernière, qu'on a testé, on a gravé à l'envers. Et en fait, ça grave face à toi. Du coup, normalement, là, je suis dans le bon sens. On met les lunettes d'Iron Man. Et c'est parti. Terminé la prévisu. On lance la gravure. Yes. Ah, j'entends un petit bruit déjà qui me plaît. Ah, c'est déjà fini. Ouah, ça marche. Ça marche, c'est incroyable. J'ai jamais été autant heureux de ma vie. Et voilà, la première gravure, Madine Clément Morphin, BG ou pas. En fait, il fallait juste rajouter 600 balles. Tu vas rajouter 600 balles, tu graves tout ce que tu veux. Non, en vrai, c'est vraiment cool. En plus, on était à 30% de puissance. Si je passe ma main, ça ne l'enlève pas. Donc, c'est vraiment profond et on peut aller plus profond encore. Donc, je laisserai 5 étoiles sur Amazon, parce que c'est super important. Et ceux qui ont acheté des montres de ma marque, mettez 5 étoiles aussi sur Trustpilot, c'est très important. On a pris la main et tout. Maintenant, c'est super simple avec l'application. Tac, tu cliques. J'ai d'ailleurs une montre à graver pour un de mes clients. En plus, c'est pour mon plus gros client qui avait commandé pour 2 300 € de montre. Il avait commandé 3 montres à l'époque, dont une précommande. Donc, ça fait un petit moment qu'il attend en plus. Donc, là, je vais lui graver et je vais la faire sur la boucle ici. Voilà, on va tester ça, c'est parti. C'est un petit dilemme, je sais pas trop où est-ce que je le grave sur la boucle parce que c'est des nouvelles boucles et elles sont moins adéquates pour les gravures, il y a moins de place. Pour moi là, ça a l'air d'aller. Là, ça me paraît pas trop dégueu. Franchement, ça me paraît droit, ça me paraît bon. Franchement, je suis un peu en dessous. Je suis à 12,5. Vas-y, je suis à 13, voilà. Allez, c'est parti, j'envoie la gravure les gars, c'était le moment fatidique. Et je lance la gravure, c'est mardi, première gravure, voilà un peu sur. Yes ça. Purée, je l'ai faite bien droite. Elle pouvait pas être mieux. Bon bah du coup voilà les gars, première gravure M.Flore. Prévue, parfait, bien centré, incroyable. Je m'envoie des fleurs. Bon les gars, débrief un peu plus fructueux que la dernière fois. On est arrivé à graver les montres, donc cette fois-ci je le garde, je le rends pas Amazon. Donc c'est vraiment vraiment cool, je verrai si je baisse un peu le prix des gravures ou pas avec le temps. Pour que plus de gens puissent bénéficier de gravures, que ce soit un peu plus accessible à la population. Puis du coup moi ça m'évite aussi de faire des trajets voiture tous les jours. Parce que je t'avoue que jusqu'à maintenant les gravures je les faisais vraiment simplement pour le client et pas pour moi. Parce que pour moi c'était pas rentable, je me tapais 1h10 de voiture pour aller faire graver une montre et gagner quoi, peut-être 20 € de marge dessus. Donc pour le coup c'est vraiment bien que je puisse l'avoir en interne. La gravure est super nette, c'est tip top. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire des gravures personnalisées. Donc si tu penses acheter une montre chez moi, tu peux faire des gravures maintenant les gars, c'est moi qui les fais. Je pense qu'on est très joli.
Bon les gars, 23h01, la deuxième partie de ma journée commence tout juste. Pour t'expliquer un petit peu d'ailleurs comment j'avance mes journées en ce moment, j'ai un stagiaire qui s'appelle Corentin qui fait du cadrage et du montage pour ma marque du coup. Il vient de 9h à midi, de 13h à 17h, donc du coup bah, c'est le panel horaire sur lequel il travaille, mais sur lequel je travaille aussi. Après il part, je travaille encore quelques minutes, quelques heures. Ensuite je vais à la salle de sport, alors j'en reviens, il faudrait que j'aille me doucher et que je me change un petit peu. Et après en général je me remets à travailler comme là, tu vois, 23h01, et c'est là que recommence ma deuxième journée dans ma journée principale. Et du coup je suis assez productif le soir, donc j'aime bien taffer le soir. Là je suis en train de bosser justement d'ailleurs sur une lettre de remerciement qui sera dans les colis avec les montres de ma marque en fin d'année, donc les maisons Morphin. J'ai généré du coup la face avant qui ressemblera à ça et la face arrière qui ressemblera à ça, et en gros ce petit écriteau fera 22 cm par 11, ce qui est pile poil la taille de l'enveloppe qui est ici, que je vais refaire faire également avec mon logo, donc maison Morphin. Bon les gars, je viens de boxer les enveloppes. Il y a un couac, ils ont rien compris, putain. En gros, moi je voulais des enveloppes plus grandes comme celles que j'avais avant, tu vois, par rapport aux maisons Morphin, on est pas du tout sur le bon format. Pour mettre du coup la lettre de remerciement que j'ai fait faire par un autre fournisseur, donc qui sera de ce format là, donc clairement ça rentrera jamais là-dedans. Donc ça sera tip top, et la qualité du papier, ça devrait être celle-ci, qui est du coup un papier avec une finition cold pearl assez épais, assez robuste. Vraiment quali, parce que jusqu'à maintenant, en gros, on était sur. Bah attends, regarde, j'ai un flyer qui est par terre. On était sur un flyer comme ça, donc celui-là un petit peu vécu, hein, il va à la poubelle, avec un petit QR code, etc. Mais je me dis, voilà, on augmente un petit peu en gamme, on essaie de rendre tout quali, que l'expérience client soit travaillée au max du max. Donc je suis en train de bosser là-dessus, je vais également bosser sur le certificat d'authenticité que j'ai pas encore eu le temps de designer, parce qu'en gros, le certificat à l'époque, il faisait cette taille-là, donc du coup, il était dans un porte-certificat comme celui-là, qui est défectueux, mais tu vois, en format A4, et là, en gros, le nouveau certificat va aller dans la boîte, et donc du coup, il faut que je réduise un petit peu sa taille, il faut que je redesigne ça, donc ça va être mon petit job de ce soir. Donc je te reprends après, quand j'aurai avancé un petit peu sur tout ça, à la fin de ma soirée, et je te fais un petit point. Bon les gars, me voilà douché, je suis en peignoir, il est quelle heure? 23h24. Petite dinguerie qui vient de sortir, que j'avais pas remarqué avant, c'est que PLK a mis une petite story, je lui ai offert du coup une montre, il avait commandé une Olympe Black et je lui ai offert une Black Hole Silver, et on peut voir justement dans sa story qu'il la porte, tu vois, elle est juste ici. Ça fait plaisir qu'un rappeur justement m'ait fait confiance et porte mes montres du coup, mais voilà, petite dinguerie, ça fait plaisir, je l'ai partagé en story, c'est cool. Ok les gars, 1h02 du matin, j'ai à peu près terminé ce que j'avais à faire pour ce soir, j'ai répondu à des clients, j'ai fait le petit certificat que je vais te montrer. Ça c'est le premier jet que je vais envoyer avec mon fournisseur. Je vais voir si du coup en bas je tamponne avec un tampon que je vais faire faire avec de l'encre et pas avec de la cire pour gagner un petit peu de temps. Quoi je fais ce qu'on appelle un système anti-contrefaçon, parce que je t'avoue que faire fondre la cire à chaque fois que j'ai un certificat à faire, c'est très long. Et maintenant je suis vraiment dans l'optimisation du temps pour la prépa des commandes, parce que je passe énormément de temps à préparer les commandes tous les jours. Donc l'idée c'est d'arriver à les traiter assez rapidement pour ensuite gérer encore la comptabilité, tout ce qu'il y a à côté, le marketing. Donc plutôt content, je vais aller me coucher, je vais encore gérer 2-3 petits trucs. Globalement tout est terminé, la petite lettre de remerciement et le certificat. Il me reste la petite notice à designer et à envoyer en production, et je crois que j'aurai à peu près tout pour le packaging en fait des montres qui sortiront en fin d'année maison Morphin. Donc plutôt cool, let's go, je vais me coucher, du moins finir mes 2-3 petites tâches et après dodo. Demain Corentin arrive à 9h, donc voilà, j'ai mis mon petit peignoir de ministre, je le retire, je vais me coucher et c'est parti. Bon les gars, petit topo, je vais t'expliquer sur quoi je bosse aujourd'hui. En gros, tu vois ici, t'as le petit carton Maison Morphin, c'est le carton d'expédition qui va être utilisé pour les montres de ma marque en fin d'année. Comme tu peux voir ici, t'as le coffret, ici t'as l'écran qui sera dans sa surboîte d'ailleurs, là je l'ai pas mis dans la surboîte. Et là je suis en train de travailler l'expérience d'ouverture d'achat. Donc là l'idée, c'est de faire de 1, un papier de soie qui va prendre l'intégralité du carton avec mon logo en doré, qui va passer du coup dessous et qui va se refermer pile poil ici avec 2 rabats. Et au milieu, il y aura un petit sticker Maison Morphin également. Et en dessous, il y aura des copeaux de papier froissé noir, comme ça on aura vraiment quelque chose de joli, parce qu'actuellement j'utilisais, tu vois, du papier bulle, donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Là j'ai envie de travailler vraiment tous les aspects de l'achat et de l'expérience. Donc du coup il y aura des copeaux noirs, le petit papier de soie qui sera logoté, le petit stickers, et la deuxième chose sur laquelle je bosse ce matin, c'est la masse oscillante des montres de ma marque, parce qu'en gros j'ai reçu les échantillons de ce mécanisme là et en fait il y avait pas de logo, et sur le site internet de STP, donc mon fournisseur, comme tu peux voir il y a le logo. Donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant que moi j'ai pas le logo, ils me l'ont envoyé sans logo, et en fait de base ils fournissent leurs clients sans logo. Donc du coup je suis en train de voir avec eux, ça va me coûter je crois à peu près 200-300 euros. Donc ça, j'ai repris le truc de base qu'il y a sur leur site, et là j'ai ajouté mon petit logo Maison Morphin, et je vais lancer en prod tout ça pour qu'on puisse du coup avoir directement mon logo et faire ça bien. Comme ça moi les clients auront le petit Swissmade sur leur montre, le petit logo Maison Morphin. Je trouve ça assez stylé, tu me diras si tu kiffes. Allez, j'envoie ça à mon fournisseur, j'ai encore du taf, let's go.
Yo les gars, aujourd'hui je réceptionne des commandes. J'ai reçu 3 énormes colis parce que je suis en train de faire un deuxième setup PC. C'est vrai que j'en avais pas trop parlé sur ma chaîne YouTube, mais en fait pendant un mois j'ai pris un stagiaire dans le cadrage et le montage. Donc pour faire simple, en gros me filmer et faire mes montages vidéo. Le stagiaire s'appelait Corentin. Et au final, à l'issue de ce mois, vu qu'il travaillait très bien, j'ai décidé de le prendre, pas à plein temps, mais un auto-entrepreneur. Donc il va faire des missions et m'épauler du coup sur la partie film et la partie montage. Donc ça a été galère un peu pendant le mois de stage parce que j'avais sorti mon ancien PC qui date de 10-15 ans, donc ça avait été très galère. Donc là j'ai décidé d'investir et j'ai reçu aujourd'hui le PC qui va être destiné du coup au cadrage, enfin au montage vidéo, donc une vraie bête de guerre. Pour donner un ordre d'idée, là il y a 1600 euros, donc c'est un des derniers i7, il y a 32 Go de RAM, un SSD de 2 Tera, il y a vraiment de quoi faire une belle carte graphique. Ici on a la chaise et là on a un ultra wide. Donc là j'ai réaménagé ma partie bureau. À la base ce setup était au centre et du coup je me suis dit, vu que j'ai un énorme plan de travail de 3m50, de mettre ma partie à moi ici et mettre sa partie à lui ici. Là j'ai acheté le même tapis de souris que j'ai juste là-bas. Là je vais installer du coup le tout et on aura normalement un setup qui sera plutôt sympa pour bosser. Donc let's go, je m'attelle au déballage de ces petits colis, monter tout ça, un petit peu de musique et c'est parti. Bon les gars, le setup il est terminé, donc tu vois j'ai tout réaménagé, donc c'est vraiment cool. Donc écran ultra wide plutôt sympa pour faire du montage, le petit casque, le petit support à casque à côté du graveur laser, nouvelle chaise de bureau, donc ça va vraiment être pratique pour bosser. Et le petit cœur du setup, l'ordinateur, je suis plutôt content du rendu, j'ai bien aménagé ça, tu vois, pour bosser ça va être vraiment tip top. Donc y a plus qu'à maintenant. Les gars, jeudi 14 septembre, c'est le jour J7, Père Noël passe aujourd'hui, je viens d'avoir un appel du livreur, je vais être livré des premiers échantillons de Maison Morphin. Donc c'est l'aboutissement de plus de 6 mois de développement, je suis très content, donc là j'ai hâte d'aller récupérer le colis. Là on va réceptionner du coup 2 montres assemblées et 4 en pièces détachées. Les 4 en pièces détachées, je vais les amener directement à mon horloger partenaire pour qu'il me les assemble, et puis après on va attaquer les photos vidéo produits. Donc là ça va être le reveal. Alors on va passer de la simulation 2D que moi j'ai mis au point sur Photoshop à un produit physique, donc je te laisse m'accompagner. Prends mon téléphone si jamais le livreur m'appelle et on va aller réceptionner le colis. C'est parti. Oui, bonjour. Oui, je suis chez moi là. Eh bien écoutez, je vous attends en bas, ça marche. Merci, à tout de suite. Bon les gars, petit point, en fait je viens d'être appelé par un livreur. Je pensais que c'était le livreur la FedEx qui allait me livrer mes montres, mais en fait non, c'était Amazon parce que j'ai commandé du matos pour le PC. Et là en fait je venais avoir le vrai livreur FedEx avec les montres qui arrivent, donc là on va l'attendre, on est dans le hall d'entrée chez moi. Donc là j'ai le commande Amazon, ça vaut le coup, ça a l'air, c'est pour bosser. Et là par contre on va patienter. Et pour le coup, je vais pas me faire avoir une deuxième fois, ça va vraiment être mon livreur pour les montres. Donc on va réceptionner ça, c'est parti. C'est bon ? Allez, bien, merci, bonne journée. Ok. Bon. Le Graal, les gars, j'ai jamais eu autant de valeur sentimentale dans ce colis que dans aucun colis de ma vie. Ok les gars, on attaque l'unboxing. Je vous cache pas que je suis comme un gosse. Bon, ça a l'air d'être super bien emballé, donc je vais essayer de pas me couper un doigt. Bon, premier colis. Second colis. Et le compte est bon. Donc, il doit y avoir des pièces détachées et des montres assemblées dans l'histoire. Bon, lui il s'ouvre, il vient à moi. Oh, on est sur des montres assemblées les gars. Là on est sur des montres assemblées. First one, second one, il y a aussi des pièces détachées, alors je vais faire attention de pas tout casser. Ok, bon reveal les gars d'entrée hein, sur les montres assemblées. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, elles sont beaucoup trop incroyables. Oh là là. Oh là là. Non, elles sont folles. Ah ouais non, là je suis fan. Là franchement, elles sont mais incroyables. Genre les finitions, genre tous les petits détails que j'avais fait, tout est fou. Mais ouais, non, le protège-couronne, le poli, le brossé, les tailles sont incroyables. Bon bah le poids, voilà, tungstène, assez 316L, là il y a une lunette céramique. Au niveau de l'épaisseur, c'est comme avant, c'est nickel. Non, l'intérieur, il est fou, mais c'est incroyable. Franchement, je suis trop content. La finition est top, la taille est top. C'est clairement les plus belles que j'ai jamais eues dans mes mains de ma vie. Je suis content que ce soit celle de ma marque, je suis pas peu fier. On va ouvrir les gars les pièces détachées.
tu vois ici le premier bracelet, pareil, tu vois, je le découvre en black and gold. C'est très très compliqué de plaquer du gold à côté du black. Et jusqu'à maintenant, mon usine avait toujours refusé en fait de me faire ça parce que c'est très compliqué. Pour la black gold, on était arrivé, mais ça avait été galère, il y avait beaucoup eu d'échecs. Même chose, tu vois, le petit recul que j'avais, par exemple, des Olympes que je poignais, c'est que c'était du brillant ici au niveau du logo. Et ça se raye un peu parce que tu vois, il y a beaucoup de contacts au niveau du poignet. Donc là, j'ai demandé qu'ils me gravent le MM et le Maison Morphin directement sur de l'acier brossé qui est beaucoup plus résistant à la rayure. Tu vois, c'est tous les petits points que tu vois en faisant les collections. Enfin, tu te rends compte des petits points faibles que peuvent avoir les montres. Et là, j'ai essayé un petit peu de corriger tout ce que j'avais en feedback depuis les 2 ans et demi où je produis des montres de ce style-là. Donc là, on a des bracelets black and gold. On a des bracelets full silver, silver gold également, vraiment stylé. On a des boîtiers. Ça, c'est un boîtier pour un fond plein avec la petite loupe. Regarde, je vais te montrer de près. Tu vois, en gros, tu as la petite loupe ici. Et ça permet en fait de voir la date en x2. Là on a des cercles d'emboîtage, tu vois, cercles d'emboîtage acier comme toutes les marques de luxe. Quitte à faire une montre de luxe, autant même ce qu'on ne voit pas dans la montre soit premium. Donc là un vrai cercle d'emboîtage en acier bien fini, tu vois, ça fait des reflets multicolores. Même ça c'est très travaillé, même si ça se voit pas, on ne lésine pas sur les détails. Et donc ici on a des jeux d'aiguilles, donc on a les trotteuses, on a les aiguilles des heures et des minutes. Et ici on doit avoir tout ce qui est cadran. Donc là par exemple tu vois on a un cadran vert, putain le vert il est magnifique. Donc ça c'est un cadran de la Maison Morphin fond plein. Donc là tu vois on a pareil en version black, vraiment vraiment sympa. C'est vraiment intéressant tu vois d'avoir toutes les pièces détachées dans les mains. Et avec même les petites pattes qui permettent d'être posées sur le mécanisme sans que ça touche le mécanisme. Tu vois tout est vraiment étudié, là on voit vraiment le travail des ingénieurs. Je vais ouvrir ça petit à petit et puis après photo, vidéo produit, mise à jour du site internet et puis précommande. On espère que là fin septembre les précommandes Maison Morphin elles ouvrent et après on espère que tout sera parti pour Noël.